first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Hello mes acolytes, comment est-ce que vous allez? Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo de Noël d'une série de 3 dans laquelle nous allons réaliser ensemble 4 décos simples, rapides, avec un minimum de matériel, de la récupération aussi et surtout à petit budget. C'est parti! Pour réaliser une couronne de Noël, nous allons avoir besoin de guirlandes vertes. J'en ai pris 2 parce que je veux faire une grande couronne. Mais si vous voulez une petite, une guirlande suffira. Ensuite, du carton, des ornements de Noël de votre choix, une paire de ciseaux et du scotch. On va commencer par découper le carton en cercle selon la taille qu'on veut pour notre couronne. Nous allons utiliser la guirlande pour l'enrouler autour du cercle, mais avant, il nous faudra bien la sceller avec du scotch pour ne pas qu'elle se détache. On va donc passer à l'ornement avec quelques petites décorations, mais si vous aimez les couronnes bien garnies, bien chargées, vous pouvez mettre plus de déco. On passe à la deuxième déco, donc reine de Noël façon peau de branche. Pour cela, ici nous avons les composants dont on aura besoin. Donc branche, du gravier pour soutenir les branches, une paire de ciseaux, du fil de laine, quelques petites décos, un premier récipient qui va servir de support de remplissage.
et un deuxième récipient, donc un gobelet en plastique de couleur marron que je n'utilise plus. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient, mais il faudrait qu'il soit de couleur marron. Et pour finir, du papier ainsi que de la colle, des feutres et un stylo. On va venir remplir le récipient de gravier avant d'ajouter les branches. Pensez à laisser un écart considérable entre les deux. Nous allons ensuite ajouter les branches fraîches ainsi que les ornements de Noël pour donner de la couleur aux ramures de notre reine. Pour la prochaine étape, il va s'agir d'une petite activité, donc nous allons dessiner les yeux, le nez et les oreilles de notre reine. Il ne nous reste plus qu'à fusionner les deux récipients et notre reine est créée. Notre déco suivante est une jarre de Noël, donc très facile et rapide à faire aussi. Pour cela, nous aurons besoin déjà d'une jarre transparente, en verre ou en plastique, peu importe. Ensuite, des décos de votre choix, du coton pour illustrer la neige, un élastique et une portion de textile qui servira de couverture. Je vous laisse avec les différentes étapes. Pour réaliser notre sapin rustique, il nous faudra des branches sèches, des bâtonnets de glace. Ok, normalement, on n'utilisera pas de scotch. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mis là. Bon, bref, c'est plutôt de la colle. Donc, on aura aussi besoin d'une paire de ciseaux, de fil de laine. Il y aura une partie coloriage, donc vous pouvez utiliser de la gouache si vous préférez. Mais moi, j'ai pris des feutres, des crayons de couleur et des souligneurs parce que c'est moins salissant. Nous allons commencer par classer les branches par ordre croissant tout en formant un sapin. Quand c'est fait, nous allons relier les branches entre elles avec le fil de laine. Donc je vous montre comment je procède. Thank you.
Passons à la partie bricolage et coloriage. Pour cela, nous allons utiliser les bâtons de glace ainsi que de la colle forte pour créer des ornements pour le sapin. Dernière étape, accrocher les ornements toujours à l'aide du fil de laine. Cette vidéo se termine ici. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires laquelle des décos vous a le plus plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.